tous les maires de la communauté de communes, on s'est réunis, on a dit, on va y arriver. Alors pour être très franc avec vous, quand ce petit noyau s'est réuni, les regards des uns et des autres furent assez circonspects. En nous disant, l'idée est bonne, si tu arrives ou si vous y arrivez en 2017-2018, c'est pas mal, mais franchement, organiser dès le printemps 2015 un tel événement, c'est impossible et ça marchera jamais. Je pense que les individualités, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est au contraire la capacité qu'ont les gens à se réunir, à additionner leurs forces. C'est vrai à l'intérieur d'une entreprise, mais c'est vrai aussi à l'extérieur, entre les entreprises elles-mêmes. Si en Sologne, on arrive à agréger des gens qui se parlent, qui se rencontrent, et finalement à trouver des forces directives pour orienter l'économie de la Sologne dans un sens ou dans un autre, je trouve que c'est un pays qui a beaucoup d'atouts. Le réseau, au fond, c'est l'humain, c'est l'homme, c'est la capacité que nous avons à tisser des liens les uns avec les autres. Le réseau, ce sont des rencontres, ce sont des projets, ce sont des aventures collectives qui marchent. Par exemple, aujourd'hui, c'est 8 mois, mais pas tout seul. Moi tout seul, je ne sers à rien. Chacun de nous tout seul, on ne sert à rien. C'est 28 conseillers communautaires ici dans la communauté de communes qui ont retroussé les manches. C'est 7 communautés de communes qui ont décidé de se fédérer, depuis la Ferté-Saint-Aubin jusqu'à Salbris, La Motte-Beuvron, Romorantin, jusqu'au pays de Contres, hein, puis avec la Sologne viticole. S'il y a 350 entreprises aujourd'hui qui sont là, c'est parce qu'il y a eu une aventure collective qui a été portée avec des leaders économiques, politiques, institutionnels qui ont décidé de se fédérer. On essaye de faire en sorte que les entreprises se regroupent naturellement sur des projets, petites, moyennes entreprises, et que les plus grandes entreprises portent eux-mêmes les projets principaux et entraînent derrière eux la multitude de sociétés, petites et moyennes, qui peuvent aider justement à faire une offre complète. Dans une PME, est très seul. Il a vraiment besoin de trouver autour de lui des appuis, confronter ses idées, confronter son opinion, confronter ses choix avec soit d'autres chefs d'entreprise, soit des collaborateurs, quand il a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont le niveau de compétences suffisant. La vie moderne est trop complexe pour qu'on puisse tout faire tout le temps tout seul. Je n'y crois pas du tout. Thank you.
les chefs d'entreprise ont besoin d'agréger autour d'eux des gens de qualité, et c'est une équipe qui gagne. Moi, c'est ma conviction profonde, c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que c'est pas le talent de l'un ou de l'autre qui compte, c'est vraiment autre chose, c'est le talent d'une équipe. Et la vraie force, c'est la force d'une équipe. C'était une aventure collective, une première brique posée ici en Sologne, qui en annonce tant d'autres. Et je voulais vous révéler avec une certaine solennité le chiffre officiel de participants qui nous a été donné par les différents organisateurs aux différentes portes d'entrée à 17h30. Nous étions aujourd'hui plus de 10 000 Solognos à visiter le site de l'écoparc, à vous rencontrer, plus de 6 000 voitures, près de 5 000 repas servis. Un vrai succès, une vraie réussite, qui en appelleront évidemment beaucoup. It's so fun. Hot springs and Coca-Cola.